DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, on ne joue que la deuxième journée et ils n'ont déjà plus droit à l'erreur. Les Léopards de la RDC vont être reçus ce soir à 20h, heure de Kinshasa, par les Crocodiles du Nil du Soudan pour le compte justement de la deuxième journée. Un match très important pour les deux équipes qui avaient perdu leur première sortie. La RDC battue à domicile par le Gabon sur le score d'un but à zéro et le Soudan battu à l'extérieur par la Mauritanie sur le score de 3 buts à 0. Deux équipes en quête de relance dans ce groupe I, dominé donc par la Mauritanie et le Gabon, qui vont s'affronter dans l'autre match du groupe à 17h, heure de Kinshasa. Ce match va se jouer à Franceville, au Gabon. Et pour le match de la RDC, les joueurs doivent tout donner ce soir pour aller chercher la victoire face au Soudan, pour justement montrer cet amour qu'ils ont pour leur pays. C'est qu'a dit hier le coach Héctor Cooper. Aujourd'hui, je pense que l'équipe s'est bien récupérée. Et si nous ne sommes pas du tout récupérés, nous avons l'obligation de l'être. Mais si on n'a pas bien récupéré, on a l'obligation de bien récupérer. J'ai toujours cru que, más allá del corazón pour un pays, de l'amour que se tient un pays, moi j'ai dit au-delà de l'amour qu'on a pour le pays, les joueurs, c'est les professionnels, ils doivent tout donner. Moi, je pense qu'en ce sens-là, demain, on aura d'autres choses. Ça, c'est la sensation que nous avons. Il n'y a pas de clé. Mais ce que nous avons compris, nous devons continuer sur une ligne, une stratégie, de ne pas se focaliser trop sur ça. Je pense que les erreurs que nous avons eues contre le match du Gabon, et nous n'avons pas eu assez de temps pour travailler. Mais aussi, on a fait des vidéos, on a corrigé des choses. C'est la raison pour laquelle on a fait cette séance-là aujourd'hui. Ce que nous devons faire demain, c'est de respecter cette stratégie-là. Et dans tout ça, je peux improviser et faire ce qu'ils veulent. Voilà. Je ne dis pas qu'on ne peut pas gagner, mais si on perd ça, c'est comme si on perd l'ordre. Je pense que l'ordre qu'on a, c'est pour manier le temps. Oui, je ne sais pas si il y aura beaucoup de changements, mais oui, il y aura de changements, sûrement. Des changements donc annoncés par Héctor Cooper dans le 11 de départ par rapport à celui du match contre le Gabon, joué le samedi 4 juin dernier au stade de Martyr de la Pentecôte. Il faudra, oui, beaucoup changer, même dans l'attitude de joueurs, beaucoup plus de concentration et puis de créativité. C'est qu'a indiqué hier le capitaine de l'équipe, Marcel Tisserand, qui indique justement que les joueurs sont très concentrés sur leur sujet. Aujourd'hui, on est très concentré à l'idée de jouer ce match face au Soudan. On sait que ça va être une équipe qui va être difficile à jouer à domicile. On est très concentré, le moral est très haut aujourd'hui. C'est le plus important pour nous. Tout ce qui se passe autour, ça ne nous intéresse pas. Les coupures de courant, terrain, tout ça, c'est des choses qui sont aléatoires, qui peuvent arriver. Aujourd'hui, nous, on est concentré sur le match de demain. C'est le plus important. Aujourd'hui, on a fait une bonne séance, je pense. On était bien physiquement. À nous, demain, de reproduire ce qu'on a fait aujourd'hui à l'entraînement, c'était intéressant. Tout ce qui a pu se passer avant, c'était avant. Maintenant, on regarde vers l'avant. Avoir plus d'audace, plus de créativité, apporter plus de danger offensivement, c'est-à-dire prendre plus de risques, frapper plus, oui, avoir plus d'audace. Beaucoup plus d'audace pour le deuxième match. C'est ce qui va nous faire du bien. Voilà, c'était là le capitaine de l'équipe nationale de la RDC, Marcel Tisserand. Les Léopards qui ont effectué hier leur unique séance d'entraînement. C'était la traditionnelle reconnaissance de l'aire de jeu du stade Al-Hilal d'Omdurman. Ce stade qui va abriter ce match ce soir à 20h, juste heure de Kinshasa. Vous le savez, les Léopards n'ont pas pu s'entraîner le lundi dernier. Ils n'ont pas pu trouver un terrain éclairé pour
pour effectuer leur séance d'entraînement telle que prévue. Donc je rappelle que l'autre match du groupe va opposer le Gabon à la Mauritanie. Cette rencontre aura lieu à Franceville au Gabon. Et donc ces éliminatoires qui ont débuté depuis le 1er juin dernier se sont poursuivis hier dans d'autres groupes. Dans le groupe B, l'Eswatini a été battu à domicile par le Burkina Faso sur le score de 3-1. Le Cap-Vert a eu raison du Togo 2-0. Dans ce groupe, le Burkina Faso est en tête avec 6 points devant le Cap-Vert 3 points. L'Eswatini et le Togo ont 1 point chacun. Dans le groupe H, la Zambie a battu les Comores sur le score de 2-1. Une relance pour le Chipolo Polo Boys qui ont été battus lors de la première journée par la Côte d'Ivoire sur le score de 3-1. Dans le groupe L, le Sénégal a eu raison du Rwanda 1-0. Une victoire qui est arrivée dans les derniers instants du match grâce à un but inscrit sur penalty par Sadio Mané. C'était à la 98e minute de jeu, soit la 8e minute du temps additionnel de ce match officié par un quatuor arbitral de la République démocratique du Congo avec comme arbitre principal Jean-Jacques Ndala. Dans le groupe E, on a déjà joué deux matchs, et plutôt deux journées. Dans ce groupe, le Ghana et l'Angola comptent 4 points et occupent les deux premières places du groupe. La République centrafricaine et Madagascar occupent chacun un point. La RCA, justement, on va s'intéresser à cette équipe où évolue désormais un Congolais, un ancien international de la RDC, César Mandzukic, qui a disputé les deux rencontres de deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023 avec les Fauves du Bazoubangui. Lors de la première rencontre contre l'Angola, il est entré à la 56e minute. Et lors de la deuxième rencontre face au Ghana, un but partout. César Mandzukic qui était titulaire et a joué 85 minutes. Nous sommes de retour et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu. Et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.